Coucou mes abonnés, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du samedi. Alors aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo lecture. Donc je vais vous parler Archives des druides. Donc il y a trois paragraphes que je vais vous les lire. Donc on va commencer avec le don d'Aiden et le soul riding. Druides et chevaux des partenaires. Destin ou dévotion. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne lecture et un bon visionnage. Le don d'Aiden et le soul riding. Lorsqu'Aiden s'est sacrifié dans les temps immémorieux, son plus grand cadeau pour nous a été l'amour. Elle a scindé son âme en deux et une partie et aller aux humains et l'autre aux chevaux. Grâce à son sacrifice, lorsque l'âme d'un cheval et celle d'un cavalier se rencontrent, leur lien est plus fort et leur amour plus puissant que n'importe quelle force sur terre. C'est cela le don d'Aiden. Et il habite tout ce qui vit à Jorvik. Béni sois-tu, glorieuse Aiden. Laisse-nous profiter de ta merveilleuse chaleur, nous autres pauvres mortels. Je me souviens de la première fois qu'Aiden m'a fait la grâce de son don. C'était une soirée à la fin de l'été. Le ciel était zébré de bleu et d'ambre. Le vent frais rabattait des mèches de mes cheveux sur mon visage et à mes pieds les tiges dorées du blé ondulait sous la brise. En observant la nature de Jorvik, j'ai pensé avec gratitude à quel point cette île devait sa beauté à Aiden. Sous moi, j'ai senti mon cheval Meodown remuer. Elle avait hâte de continuer notre randonnée. Nous sommes partis au galop et à cet instant, le don d'Aiden s'est mis à crépiter entre nous. C'était une lumière éternelle qui donnait l'impression d'avoir toujours été là, comme le soleil derrière des nuages épais. Mais maintenant, les nuages s'étaient écartés et Meadown et moi, nous détectons de la lumière et sa chaleur, enrichie encore davantage par notre respect et sa confiance mutuelle. Notre lien était indéfectible. Ce soir-là, à la fin de l'été, j'ai su que Meadown était celle que j'attendais. Ces jours d'été de ma jeunesse me manquent vraiment. Où en étais-je? Ah oui, quand tu chevauches dans la nature, le vent dans tes cheveux, en respirant l'air de Jorvik, et que tu as l'impression de nous faire qu'un avec ton cheval, c'est que la puissance de la lumière du don d'Aiden vous habite tous les deux. Documenté par la druide Arabella, responsable des apprentis druides. Druides et chevaux des partenaires. Pour comprendre le lien indéfectible entre les druides et les chevaux, nous devons tout d'abord tourner notre regard vers le passé. À l'aube de Jorvik, les habitants et les chevaux coexistèrent déjà en harmonie. On considère qu'ensuite ceci a été démultiplié par la puissance du don d'Aiden, CF, le don d'Aiden et le soul riding pour plus d'informations. Certaines personnes en particulier ont utilisé ce lien d'une façon magique afin de se battre pour ce en quoi ils croyaient. Les druides de Jorvik en sont un exemple. Il s'agit d'un réseau de personnes émerveillées spirituellement dont la seule mission est de protéger Jorvik en assurant le retour de la déesse d'Aiden. Protéger Jorvik ne signifie pas seulement protéger ses habitants ou la magnifique nature qu'on y trouve, mais aussi des chevaux qui arpente l'île.
Les chevaux de Djurvik sont de la plus haute importance pour les druides, car ils incarnent l'espoir et la liberté qu'Aiden souhaite pour toute vie sur l'île lorsqu'elle s'est sacrifiée. Les druides travaillent donc étroitement avec les chevaux, forgeant des liens puissants avec eux et leur faisant confiance pour se déplacer et protéger Djurvik des forces obscures. Les druides croient profondément aux liens qu'ils développent avec leur cheval, qu'ils considèrent comme leur âme sœur. Ils pensent qu'il n'existe pas deux chevaux identiques comme il n'existe pas deux humains identiques. Ce lien n'est cependant pas limité à un seul cheval. Certains druides choisissent de forger cette relation profonde avec plusieurs chevaux. Le don d'Aiden permet aux druides de protéger Djurvik, de se sentir plus proche de l'île et enfin de remplir leur objectif mystique de faire renaître Aiden. Documenté par le druide Lycus, adepte des gardiens d'Aiden. Destin ou dévotion. La notion de destin était autrefois profondément ancrée dans les sages et anciens textes druidiques. On y racontait que le destin détermine une grande partie de la facilité magique d'une personne, du potentiel à ressentir un lien fort avec les chevaux, à notre capacité à faire du soul riding. Cependant, des hypothèses récentes émises par certains druides modernes offrent une perspective différente sur nos capacités magiques. Exemple, la formation au soul riding organisée par la protectrice de la vie, Rhiannon, a eu des résultats fascinants sur des individus que les gardiens d'Aiden ne considéraient pas comme influents pour le destin de Djurvik. De plus, il existe des cas documentés des propriétés magiques du don d'Aiden retrouvées dans les liens entre les banals Djurvikois et leur compagnon Équin. Il semblerait que si l'on persévère réellement dans sa poursuite de la lumière d'Aiden et que l'on se dévoue à la protection de Djurvik, des compétences magiques autrefois considérées comme prédestinées peuvent soudain émerger chez n'importe qui faisant assez d'efforts. En regardant vers l'avenir, je crois vraiment qu'il est important pour les druides de garder l'esprit ouvert aux différentes façons dont la magie se manifeste chez les gens, au lieu de les confiner à des rôles attribués par le destin. Nous devrions laisser les gens écrire leur propre histoire. Essai de la druide Briard, apprenti d'Arabella. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo lecture. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. J'adore vous raconter des histoires, d'écouter, de raconter, voilà. Ça peut être reposant pour vous d'écouter quelqu'un qui lit une histoire. Voilà. Sur ce, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, voire même vous abonner. C'est très important pour la communauté de ma chaîne. Et merci d'être aussi nombreux, ça fait très plaisir à vous, merci. Et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos en ma compagnie. Au revoir, bisous, bye, pour de prochaines aventures.